www.casarima.fr. Aza Eli, pour nous amener à Abike, qui a bâti sa kende, qui a bâti. Et donc, il a parlé de Jésus avant sa naissance. Et c'est lui qui a baptisé Jésus quand il était sur la terre. Et puis, il est né après ça, Yesu baptême. Et puis, enseignant par Yesu, quelque part. Et il y a un moment où Yesu a yaki, Jean-Baptiste a lobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, à la qui yaki, quand on a fait la qui s'en est là, pour qu'on bongisse là, Mais il est né un tout petit peu avant Jésus-Christ, puisque vous vous souvenez de l'histoire d'Elisabeth et Marie. Nouvel album, Ma Prière, de la sœur Inès Nzembani. Bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion, Punda. Esengise kokumisa yo Yahweh. Kumama. Vous vous souvenez de l'histoire de Elisabeth et Marie? L'autre vidéo chrétienne en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la www.casarima.fr. C'est avec un grand plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui dans notre tranche magazine Que disent les Quinois. Que disent les Quinois, c'est votre magazine. Un magazine bino et il y a toujours une question. Oui, l'Arabie soupe ma réponse na koso cela. Makambo et la ignorance au Nabiso. Et aujourd'hui vraiment, Tolingito Lobela, si j'ai Nabiso et Alelo, mais avant tout, nous vous signalons déjà que le nombre one, Casarima, est déjà disponible dans le téléphone Android. Donc, si vous voulez avoir aussi l'application Casarima dans le téléphone Nabino, c'est simple, Bino Bato Bozan là-bas. Un téléphone de marque Android, vous téléchargez à partir de Google Play Store, vous téléchargez l'application Casarima et Nakatuana Bozoa, télé Casarima, radio Casarima et YouTube pour vos vidéos, côté la paix sous magazine comme Que disent les Quinois et des émissions comme de frère Alvin Beya, de Quanti Coin, toujours dans 4K et application, il y a Casarima. Et là aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose, ou peut-être Batobelepe Bainura Kayango. Et notre sujet est Ali Jean-Baptiste Azalaki Nani. Jean-Baptiste. Azaki prophète, anda bati sabatu, anda te batu samu malam. Aye, Azaki élite, Azaki ne prophète. Nanga Jean Baptiste Azaki, selon ane nebi Jean Baptiste Azaki prophète, anda bati sabatu. Jean Baptiste Azaki prophète. Mission aye batinda e pan zame kwa bati sabati. Aza Eli po nzame batinda ki abike ja bati sekende ko bati sabati. Eli msu na Biblia to ebite to bika Eli moko Jean Baptiste. Pour moi, Jean Baptiste c'est un prophète envoyé par Dieu. C'est lui qui est venu parler du venir de Jésus Christ. Donc il est venu planifier. En disant qu'il y aura quelqu'un qui doit venir, il y aura quelqu'un qui sera avec nous, l'envoyé du Christ, Dieu le Père, pour sauver l'humanité. Donc il a parlé de Jésus avant sa naissance. Et c'est lui qui a baptisé Jésus quand il était sur la terre. Alors Jean-Baptiste Azalaki, d'abord Moto Aya Abotama avant Yesu. Mais. Yende Moutou a présenté Abisso, Azari prophète, a présenté Abisso Jésus. Yanga lobi, voici un autre qui porte le péché du monde. Alaksa Batou Yesu. Donc Jean-Baptiste Bonanga, Azam Moutou,
a précédé qui Jésus parle avec sa biso Yesu Yesu yeyo et puis yene muta bat apesa par Yesu baptême et puis enseignant pe Yesu quelque part mission est avec abongisa nzela la xaba tout cas que Yesu yeyo azali prophète mande ko présenter batou Jésus contrairement au prophète alelo après on avait tout Yesu te mais Jean-Baptiste alba voici la note des le péché du monde Jean-Baptiste yo ana élite Jean-Baptiste un muta ande ko présent présenter qui batou Jésus comprendre alors la prophète apprenez par David Batou, Yesu Yeyo. Est-ce que vous avez dit, voici un autre délicat sur le péché du monde. Botal, moi, n'en parle pas dans le monde, Batou, Yazo Leka. Elie a dit prophète, il a dit prophète, toi, Leka qui, avant Yesu Aya, à sa canne, Nzela, il y a Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il y a après, dans le Nouveau Testament, apprenez par tout Jésus. Il y a un autre, à sa contraire, dans le prophète, il y a Lélo. Jean-Baptiste, apprenez par tout Yesu, alors, Botal, Yesu, alors, on a Massouma Batou Yeyo. Ah, bah, prophète, elle a apprenez par tout Jésus, t'es. On a mis la bango on a bango. On va se faire à Jean-Baptiste Nerazalaki. Belé le lo baza nabobungi. Kokanisaka Jean-Baptiste. Le lenge mokona Yesu. Jean-Baptiste Azali. O ayaki pona kolakisa. Nzela. Kolaki kolakisa batuete. Ezana oyo ako ya na sima na ye. Alors Jean-Baptiste ponanga azalaki bondenge balobaka Yohane Mobatisi azaki le bâtisseur yemu tabandaki ko batisa batu na bibale ponanga koyamba Yesu Christ ponanga na koloba Jean-Baptiste azali Yesu te baza deux personnes différentes Jean-Baptiste azalaki ponako lakisa nzela et yango moni tangu Yesu ayaki et alobi Jean-Baptiste alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc à la qui ya qui kaka pona ko la ki sanzela pona ko bongisela ko bongisela biso nzela poto kutana na Yesu Christo et Jean-Baptiste na Yesu bazamu to mokoti en plus Jean-Baptiste aza élite Eli aza une autre personne Eli aza la ki mo sakoli oyo abandai ko sakola pona bikolo omoni pourquoi na tango ya bal Eli comme a ki prophète et bakenda na ngomba lobi tokotala pour bande ko tcha nzambe na ntembe abito ko tala kati na nzambe ya babal na nzambe na nganani wa ko sa ngomona me ba ona ngomba ya moja et nzambe alakisa ke kaza nkolo akitsa ki moto et voilà donc baza deux personnes vraiment différentes Yesu aza mobiki sipo na biso Eli azaki un simple prophète Jean-Baptiste Nandenge Nayebeli, vraiment Nandenge Lidova et Jokote, Bissotan Nonso. Jean-Baptiste Azaraki envoyé de Dieu. Donc, bon, ce sont bien prophète, ce n'est que normal, Azar prophète, pour Ayaki vraiment, pour tel sa monnaie en Zambé. Jean-Baptiste, on se dit que Jean-Baptiste baptisé, justement, Azar qu'on baptise à Batou. Donc, ma section Nonsoana n'a qu'on confirmé en gros, Azar vraiment réel. Donc, Azali vraiment envoyé de Dieu, Azali mon baptisé, Azali prophète, non seulement Azali Misala, et Zambé toujours, et je comme un bisou pour la voir. Ce bisou qui est réellement Azali Kosamoussarawan. Mission aïe, Azali qui vraiment pour la Kobongsa, Nzela, donc à venir, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, Azali qui n'a simanaïe, il y a des bâtiments qui est le bosso, pour la Kobongsa vraiment Nzela, pour que Jésus-Christ aïe à Yem se bango vraiment maloba nzambe ndenge esengeli ya zaki wana kona ko bomisa vraiment nzela maram batu ba bongama batika bizalele ya mabe to ba changer donc ezande ayaki vraiment ko longola batu na makansi o ya mabe donc ba la nzela maram ko bomisa de chemin de Jésus va to ko lo bayi ka fa toujours ya di lo bayi nzambe ko batu vraiment batu ko sala makambo iza ko sepel nzambe te. Donc Nzambe atina ki Jean-Baptiste po aya ko bonza vraiment nzela maran batu ba bongola baba ko bongona bizalele no bango wana ko ba yamba vraiment nzela ya solo o Jésus-Christ vraiment azoko ya asima Jean-Baptiste bazali deux personnes différentes bien si mission est toujours moko ya ko bonza nzela ya Nzambe ya ko mema batu na bisika Nzambe azoko linga vraiment ba bongola mitema ya batu. Mais mutu na mutu azali ayaki na ndenge na ye ezateke mutu moko no mais si mission eta moko pona na liloba ya Nzambe pona ko bongisa bato ba bongola mitema mais ezateke azaka mutu moko.
Bon, Jean-Baptiste Azali Mutindami Yanzambe Azali la prophète de Dieu. Bon, mission na ezala ki pona kolakisa bato Jésus-Christ azali sauveur de l'humanité. Oui, il était venu pour montrer kolakisa bato Jésus-Christ par le baptême d'eau. Donc il baptise na mai. Tant qu'a baptisé bango ndala kisaki ki bota la bolanda nga ite me bolanda yende mutu. Ako l'accepino zela ya bon moi na seko. Bon ya un élu na Bible azali pe prophète. Jean-Baptiste pe azali prophète. Bon différence bon moi par exemple na enseignement wanga na landa élu les prophètes na pona wetali bandimia lelo babenga pe Branham un Eli. Donc bonazo e baté Ezali Eli pona elobelia biblique ou bien Ezali un nom propre ya mutu. Voilà, c'est selon ma compréhension. Bon, Jean-Baptiste fut un prophète promis dans la Bible, puisque plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la venue de Jean-Baptiste. Ésaïe a parlé de Jean-Baptiste, disant à planisser le chemin pour le Seigneur, quelque chose de ce genre. Donc Malachie aussi parle de la venue de Jean-Baptiste. Dans Malachie 4, au verset 6, il est dit « Je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera les cœurs des enfants, les cœurs de père aux enfants. » Puisque dans Malachie 4, 6, il y a deux parties. Il y a la partie A et la partie B. La partie A concerne Jean-Baptiste, là où il est dit « Élie le prophète ramènera les cœurs des pères vers les enfants. » Car c'est Jean-Baptiste qui devait ramener les cœurs des pères d'autrefois aux enfants. Vous voyez? Donc c'est ça. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste, c'était de présenter Christ. Donc de ramener la foi qui était autrefois. En fait, puisque dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, c'était des ombres, des choses qui devaient venir. Et contre la réalité de plusieurs de ces ombres, puisque plusieurs hommes de la Bible, par exemple, plusieurs hommes de la Bible, plusieurs faits de la Bible, plusieurs actes des personnages de la Bible de l'Ancien Testament ont été comme une préfiguration de ce que serait le ministère de Christ. Plusieurs des faits et tout ça, comme j'ai dit, préfiguraient le ministère de Christ. Christ était la réalité. Or, il devait y avoir quelqu'un qui devait avoir la révélation de qui serait Christ et pour le présenter aux gens. Vous voyez? Donc, c'est Jean-Baptiste était celui-là qui avait présenté Christ, celui qui a préparé la première venue de Christ. Bon, c'est son contemporain. Ils ont vécu durant la même période. Mais il est né un tout petit peu avant... Jésus-Christ, puisque vous vous souvenez de l'histoire d'Élisabeth et Marie. Quand Marie s'est croisée avec Élisabeth, quand Élisabeth a senti que l'enfant qui était mort dans son ventre était revenu à la vie, elle a dit, quand j'étais saluée, j'ai senti que l'enfant en moi a tressailli de joie. L'enfant qui était là, qui devait présenter son cousin qui était dans l'autre ventre, bon, c'est spirituellement que les choses se sont faites et tout ça. Mais ils sont nés juste dans l'espace de quelques années et tout ça. Donc, c'était des cousins en quelque sorte aussi. Bon, l'esprit d'Élie doit revenir à plusieurs reprises. L'esprit d'Élie a travaillé d'abord avec Élie. Et quand Élie est parti, l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée. Et le Seigneur avait promis en ce temps, au temps de Jésus que l'esprit d'Élie devait revenir encore. Puisque quand il dit « Je vous enverrai Élie le prophète », c'est le même esprit qui devait revenir. Et en ce temps de la fin, l'esprit d'Élie doit aussi revenir pour une grande mission, la mission de la restauration de l'Église, puisque c'est toujours... Le Seigneur a beaucoup aimé ce ministère, ou encore cet esprit, puisque c'est cet esprit, c'est un esprit de restauration. Parce que Élie, à un certain moment, vous vous souvenez, quand il y a eu beaucoup de bavures dans les histoires de Dieu,
le Seigneur voulait mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous avons vu ce que Élie a fait. Élie avait un ministère de restauration. Il a restauré l'autel et tout ça. Et il a invoqué le feu. Le feu est revenu et tout ça. Les gens ont su à nouveau que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Et Dieu a beaucoup aimé travailler avec cet esprit. En ce temps-ci, puisque dans Malachie 4, il y a deux parties. Il y a la partie A et la partie B. En ce temps-ci, le Seigneur a aussi envoyé un ministère de restauration. Il appelle toujours l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie doit encore revenir quand l'épouse de Christ sera enlevée. L'esprit d'Élie ira en Israël, puisqu'il y aura deux prophètes qui seront suscités en Israël pour la restauration de l'Israël, puisque Israël doit aussi être restauré. Israël aussi doit être racheté et tout ça. Donc il faut deux ministères. Il y aura le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. C'est toujours l'esprit d'Élie. Donc l'esprit d'Élie a commencé avec lui-même. Après Élie, c'était avec Élisée. C'était toujours le même esprit. Après Élisée, le Seigneur a envoyé ce même esprit à Jean-Baptiste qui devait préparer la première venue de Christ. Jean-Baptiste qui devait présenter Christ. Et après, en ce temps-ci, le Seigneur a encore envoyé cet esprit afin de restaurer son Église, afin que son Église reparte au fondement apostolique. Et après que l'épouse de Christ, l'Église de Christ est enlevée, le Seigneur enverra ce même esprit à Israël, car Israël aussi doit être racheté. Israël aussi doit vivre la restauration. Israël aussi doit vivre la manifestation du Saint-Esprit comme lors de la première église avec Pierre, Paul et tous les autres. En fait, le point, il s'agit de l'Esprit. Vous voyez, Élie le prophète avait comme mission de restaurer l'autel, puisqu'il y avait eu beaucoup de choses qui étaient entrées au sein du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne reconnaissait plus le véritable Dieu. Et par cet esprit, le Seigneur a restauré le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait à nouveau su qu'il y a un seul et véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, puisqu'il devait y avoir confrontation entre ceux qui prétendaient avoir Dieu et celui qui avait véritablement Dieu. Vous voyez, c'est juste un esprit de restauration. Vous voyez? Donc le Seigneur a voulu utiliser le même esprit dans Jean-Baptiste pour pouvoir montrer aux gens, Koebi Sabatou, que tout ce que vous avez eu autrefois comme type, préfiguration, oh, la fête de ceci, oh, par exemple, Joseph a fait ceci, il fait cela, Abraham a voulu, par exemple, offrir son fils en sacrifice. Toutes ces choses étaient des préfigurations de ce que Dieu ferait avec son fils Jésus-Christ. La vie de Joseph, par exemple, c'est Joseph, par exemple, est le parfait type de Jésus-Christ. David, à un certain moment, il a aussi exprimé la vie de Christ. Toutes ces choses étaient des préfigurations. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour dire aux gens que voici le véritable agneau que Abraham a... qu'Abraham a voulu offrir à Dieu. Dieu voulait juste vous montrer par cet acte qu'Abraham était en train d'accomplir, qu'il a un agneau qui va pouvoir ôter le péché du monde et tout ça. Donc toutes ces choses, tous ces actes des gens de l'Ancien Testament étaient des préfigurations. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui montre aux gens que la réalité de toutes ces ombres, la réalité de tous ces types, de toutes ces préfigurations, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et voilà, vous avez suivi des avis concernant tout le monde. Chacun a lobby na ndenge na ye, a pesi point de vue na ye. Oui, Jean-Baptiste Azalaki, prophète. Prophète Oya qui na mission yako bongisa nzela pour na arrivée du Christ, pour la bongisa arrivée du Christ. Voilà pourquoi tant batbande ko lobana ye ce qui yende le Messie, aloba ki c'est pas moi le Messie, mais a présenta ki biso voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc muto aya ki pona ko mabena biso
pona ko kufa pona mabe na biso ezalaki muto Jean Baptiste a baptisa ki pe alakisa ki biso ye donc ayaki pona ko lakisa bana na nzambe nzela ya solo ezali nzela ya Yesu Masia o ye a pesa ki baptême alakisa ki o Colombe kitaki na lipeka c'était là vraiment le véritable Dieu le véritable Messie et d'autres gens ont demandé si Jean Baptiste na Eli baza mutu moko non baza mutu moko te prophète Eli azalaki et Jean Baptiste pe azalaki prophète mususu ma bazalaki juste bango mibale na mission moko donc il y a ko ramener bana nzambe pa ya tata donc ko zwa bana na nzambe ko lakisa bango le vrai le véritable Seigneur Jésus-Christ et c'est par là que nous bouclons vraiment notre tranche magazine d'aujourd'hui et nous vous disons merci vraiment à vous bino bolanda kabiso bo soutena kabiso par de loin et tout bino bolanda ka bolinga pe ke diz les kinois en tout cas merci beaucoup vraiment à vous et je dis merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les jours là je vois le frère Shadak Kaongo lui qui est derrière la caméra je vois le frère Yannick Wenge et je vois la main puissante Boko Nzambe yenda simi pena montage na kazarima le frère Cédric Ngongo donc simi pela montage donc yé kota montage ba jeté à sakana raté kota na tolongo la est déjà et encore pourquoi pas à notre frère Alvin Beyao à sa émission kitoko rien que la vérité et merci à notre PDG Blaise Manzambi ainsi qu'à sa femme Malise Manzambi sans oublier la DG Nanette Nzongo DG Akinawa yende. Donc, merci à trop. Et je dis merci à tous ces likes qui me soutiennent. Bana RFIDIM, je vois Jida Mavakala, Eric Mavakala, Liz Nalinda, ma passe à solo na RFIDIM. Bakambinanga, Mokambi Dieu, merci. Frère Popol, Mokambi Dodo, Mokambi Christian, Binonio surtout na Pessi Binombote. Merci beaucoup vraiment à mon daddy, papa Bouyali Chilumba, et à sa femme, maman Marthe Kaba. Merci à trop. Et je dis merci aussi à ma famille, la famille Mavakala Mobimba, Jida, Ephraim, Eric, Deborah, Nacha, Blanche, Sandrine, Binonio sur la Pessi Binombote, Mingi. C'était là votre humble servante Yolande Mavakala. Et si vous voulez vraiment nous joindre, joignez-moi sur mon numéro qui est le 00243 81 298 99 18 et le Facebook Yolanda York Mavakala. En tout cas, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Ce qui se fera, allô, maman Liz. Oui, Yannick. Oui, maman Liz. Bonjour. L'application Kazarima? Oui. Bon, tu peux télécharger ça sur Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah, mais tu n'as point de quoi un monde mobile, ma monde entier. La chambre bamba batali Kazarima TV. Oui, tu peux télécharger ça sur Google Play Store. Ah bon?
Mais c'est que Satan a qu'un souli félo et wapido. Satan a qu'un félo. Non, moi, ça va. Non, pas ça va. Tu crois, mon nom, mon bimba. Oh, gros boy, a qu'un félo. Satan, vraiment, a juste zéro. Quand ça rentre à la radio, quand ça rentre à la TV, quand ça rentre à l'internet, quand ça rentre à la chaîne, quand ça rentre à la chaîne, quand ça rentre à la chaîne, ah, demain, la vie, Satan, ma femme, il a poisson à coupa. On dit félo, vous m'avez amie, la vie, maman. Enfin, Kazarima, tu sais pas qu'on a déjà une application sur Google Play Store? Plus proche de nous.